Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtue, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part de l'épisode numéro 16 des couleurs classes sur GTA 5. Et pour cet épisode on va encore une fois se consacrer aux couleurs de Marvel. Donc on va remettre mon petit masque de loup parce qu'il est super beau. Donc vous avez trois couleurs, donc la couleur Kick-Ass, la couleur de Superman et la couleur de Flash. Donc certes c'est un peu rouge orangé, donc je sais pas comment vous allez appeler ça, mais ce sera comme ça. Après vous pourrez mettre vous pourrez changer la couleur si vous trouvez que c'est trop clair à votre goût. Donc nous on va monter dans la voiture de Superman. Donc pourquoi le jaune étant en couleur secondaire et le rouge en couleur de jaune, vous allez très bien comprendre après. On n'a pas pu le mettre en couleur secondaire tout simplement parce que le bleu prenait sur le rouge et du coup ça faisait un effet violet, ça faisait pas beau du tout. Donc on va tout simplement se rendre au Los Santos Custom. Donc je fais une petite dédicace à Neos au passage, une dédicace à Revenge qui a trouvé ses couleurs. Je le remercie car c'est mon designer c'est celui qui s'occupe des couleurs classe de tous les épisodes. En attendant qu'on arrive, je vais vous inviter à me rejoindre sur mon groupe Facebook. Donc si jamais vous cherchez des personnes pour réaliser les glitches que je fais en vidéo, donc je vous invite à poster un petit statut sur le groupe Facebook, donc le lien se trouvera dans la description. Il y aura aussi ma page Facebook, mon Facebook personnel et mon Twitter. Donc tout ça se trouvera dans la description. Donc je vais tout simplement reprendre ma voiture qui se trouve juste ici. Donc comme ça elle a pas les couleurs de d'une des couleurs que je vais réaliser en vidéo. Donc comme ça elle est déjà nette. Donc comme je l'ai dit, comme je le répète à chaque épisode, vous pourrez voter dans l'espace commentaire pour 1, 2 ou 3. Donc après à l'épisode 20 je ferai un épisode bonus et voilà. Donc bref, vous allez vous rendre dans le Los Santos Custom le plus proche de vous et vous allez tout simplement aller dans couleur principale. Donc on va commencer avec la couleur de Flash. Donc vous allez tout simplement vous rendre dans couleur principale et vous allez tout simplement mettre un rouge Torino donc qui se trouve juste ici. Donc voilà, ça fait un rouge qui fait pas très beau. Et vous allez tout simplement y coller un nacré beige. Donc faut que je le retrouve, où est-ce qu'il est, le beige, pas le belge, hein. Ça n'a rien à voir, ok je sors, j'ai le droit de prendre la porte. Bref, et vous allez tout simplement y coller, non c'était pas ce beige là, beige clair. Voilà, vous y collez un beige clair, donc le petit beige clair qui se trouve 68 sur 75. Vous mettez du beige clair et en couleur secondaire, vous allez tout simplement mettre un métallisé jaune racing, donc qui se trouve juste ici. Et voilà, et après vous avez votre couleur flash, et après en couleur de jaune, vous n'avez plus qu'à changer et mettre rouge. Donc couleur de jante, vous allez tout simplement mettre du rouge. Donc on va changer les jantes aussi, comme ça. Mais je vais mettre les jantes que tout le monde dit à chaque fois, tu mets les mêmes jantes et tout. Mais en même temps vous me direz, c'est un peu pour la couleur. Et du coup voilà, maintenant vous mettez du rouge tout simplement et après vous avez votre couleur flash. Donc pour la couleur flash vous voterez tout simplement 1 dans l'espace commentaire comme d'habitude. Maintenant on va se rendre dans l'espace peinture pour réaliser la couleur maintenant de Kick-Ass. Donc cette couleur pas très simple, pas très évidente, pas très belle non plus, mais après si vous aimez ce super héros c'est le moment de le faire. Donc vous allez simplement aller dans métalliser et chercher le vert marin, donc qui se trouve vert marin, où est-ce que tu te trouves, voilà, ouais, je l'avais sous les yeux depuis tout à l'heure. Donc voilà, vous mettez un vert marin et en nacré vous allez simplement devoir mettre un vert foncé, donc le vert foncé qui se trouve juste ici. Et après vous avez à peu près votre couleur Kick-Ass, et après vous laissez le jaune, hein, vous mettez du jaune, et en couleur de jaune vous mettez pareil, vous mettez du jaune, et après vous avez votre couleur Kick-Ass. Donc on va aller dans les couleurs des jantes et aller sur la couleur jaune, donc couleur jaune ici, et après voilà vous avez votre couleur Kick-Ass. Donc c'est pas la couleur que je préfère le plus, moi la couleur que je préfère le plus est tout simplement la couleur de Superman, donc qui va suivre juste maintenant. Donc pour la couleur Kick-Ass vous voterez 2 dans l'espace commentaire. Donc vous allez tout simplement vous rendre une nouvelle fois dans métalliser et vous allez tout simplement aller chercher le bleu foncé qui se trouve, le bleu foncé là. Donc vous prenez un bleu foncé, donc déjà le bleu foncé est quand même magnifique, faut le savoir, le bleu foncé est magnifique. Et en nacré vous allez tout simplement mettre un bleu ultra afin de mettre une petite touche de nacré. Donc je me souviens plus où est-ce qu'ils sont les couleurs, oula. Voilà, vous mettez un bleu ultra comme ça, ça fait un peu ressortir le bleu et c'est vraiment super beau.
Maintenant, je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas mettre de le rouge en couleur secondaire sur la bande. Et bah vous le voyez actuellement sur l'écran, donc je suis en rouge foncé et en rouge. Et vous voyez que l'effet ça fait un peu violet rose. Et du coup ça fait vraiment pas la couleur de Superman. Donc du coup c'est pour ça que je vais vous conseiller de mettre un jaune. Et en couleur de jante vous mettrez tout simplement un petit rouge. Et après bah vous aurez tout simplement votre couleur de Superman. Et pour la couleur Superman vous allez tout simplement voter 3 dans l'espace commentaire. Et on s'approche très rapidement de l'épisode 20. Donc l'épisode 20 arrive très très prochainement. Donc je vous invite vraiment à voter, vous êtes plus de 100 à chaque fois à voter pour toutes les couleurs qui se trouvent dans les commentaires. Je vous remercie, plus vous êtes nombreux à voter, plus il y aura de compétition entre les couleurs. Et peut-être que pour l'épisode 100 je ferai vraiment un gros best-of. L'épisode 100 ou l'épisode 50 je ferai vraiment un très gros best-of des couleurs classe. Après si vous avez des thèmes particuliers, parce que là on a fait deux fois le thème Marvel, on a fait deux fois le thème la coupe du monde, si vous avez des thèmes à nous proposer n'hésitez vraiment pas à le poster dans les commentaires. Donc Revenge se fera peut-être un plaisir de chercher des couleurs. Donc sur Facebook on m'a proposé des couleurs pour les boissons, donc la boisson Coca, Ice Tea, Fanta, Orangina, etc. Pourquoi pas, ça peut être fun, on va essayer de trouver ça pour la semaine prochaine. En tout cas, moi, je vous invite à partager cette vidéo sur Facebook et Twitter. Comme ça, vos amis pourront avoir des couleurs super classe et pourront voter dans l'espace commentaire si jamais ils kiffent Superman, Flash ou même Kick-Ass. Moi, je vous retrouve dans deux prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas de lâcher un petit like. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vous retrouve dans deux prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao, bye bye tout le monde.